Poolside. Hello tout le monde, c'est Borelli et on se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo sur GTA V Online. On va faire une course que j'ai choisie aléatoirement. Alors ça fait un petit bout que j'ai rejoint la partie, il n'a toujours pas lancé. Je crois qu'il attend que plusieurs personnes aient rejoint la course. Alors comme vous pouvez voir, c'est une course créée par Rockstar, sacrée entreprise que j'ai jamais faite, ça va être la première fois. Course terrestre, 3 tours en super sportive. Le reste, c'est pas super important. Et en attendant qu'il lance la partie. Ah, bon, enfin, il a lancé la partie. Alors, pendant que ça charge, je vais vous inviter à rejoindre mon crew et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait super plaisir. Laissez un pouce bleu, un pouce vert. Ce serait super gentil. Et surtout, laissez un commentaire. Des suggestions de vidéos que vous voudrez que je fasse ou qui vous plairait pour dans le futur. Alors, on va choisir notre véhicule. Moi, je vais choisir la Entity. Je vais parier 2500 sur moi. Comme d'habitude, même si je suis vraiment pas sûr de gagner. Et puis les autres, ils devraient bientôt commencer ceci. Oh! C'est pas négatif dans GTA V, les joueurs se ressemblent pas mal tout. Mais bon, pas rien y faire. En même temps, la patch 1.13, ben la mise à jour 1.13 qui sort le 13 mai prochain, donc mardi prochain. Je commence à avoir très hâte avec les multipropriétés et tout ça, ça devrait être assez cool. Alors c'est parti. Alors surtout le mode anti-collision qui va bientôt sortir. Comme on peut voir, les joueurs en avant de nous se sont comme auto-détruits en partant. Donc ils m'ont cédé la première place. Et voilà, un autre coup chien. Peut-être qu'il a pas fait exprès non plus, mais bon. Ça m'arrive souvent d'être en première place et de me faire faire des petits coups de salope, comme je dis. Et de régresser jusque presque à la dernière place à ce degré. Et voilà ce que je disais. Malgré que c'était pas si pire que ça, mais juste foncer dedans. Peut-être qu'il a même pas fait exprès non plus. Mais quand même. En même temps, si vous voulez m'ajouter à votre liste d'amis Xbox Live, pour qu'on puisse jouer ensemble à GTA V Online ou à d'autres jeux. J'aime bien jouer aussi en Minecraft. Si vous avez vu ma vidéo de présentation de ma ville que j'ai faite, vous pouvez venir jouer avec moi sur ce aussi. Ah, de retour en première place, j'avais même pas remarqué. Alors il reste à peu près un tour et demi à la course. On voit que c'est quand même pas mal parti. Ça fait deux fois que je me retrouve en première place. Oh boy, sont assez loin. Bref, ça a l'air que je pilote extrêmement bien. Ouais, honnêtement, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. C'est peut-être qu'ils se connaissent, qu'ils se communiquent, je sais pas. Je suis quasiment en train d'en rattraper un autre, rattraper le dernier. Je suis le premier. Je crois que je suis premier, ouais. Et voilà. Mon Dieu Saint. Moi, je trouve ça plate des courses comme ça. Aucune compétition. Tout est... C'est quand même un petit peu trop facile, honnêtement. Je trouve ça assez désagréable. Mais au moins, ça me fait gagner des courses. C'est bon pour mes soi-disant statistiques. Et voilà, on peut quasiment dire que j'ai gagné la course, à moins que celui en arrière de moi réussisse à me rattraper, ce qui me surprendrait beaucoup. Ouais, il joue un petit tour, et voilà.
Alors, pour cette première course, je suis arrivé premier avec 2 minutes 41 secondes de 722 millièmes. Rapportant 5460$ et 1500 XP. C'est pas énorme, ça, c'est bizarre. Dire que la fin de semaine passée, j'en aurais gagné près de 10 000$. Bon, moi, j'ai gagné mon pari avec un autre 1 000$ s'ajoutant. Donc, je suis rendu avec 6 000$. Je vais liker avec appréciation cette course. Comme on peut voir, j'ai 2 secondes de différence avec les derniers et beaucoup plus, presque 20 secondes de différence avec le troisième et ainsi de suite jusqu'au dernier qui n'a même pas fini la course. Je crois qu'il n'est même pas classé. Dommage. Et tout le monde a laissé un petit pouce vert, bleu, un petit pouce par en haut. Ce que vous allez sûrement faire pour ma vidéo aussi. Alors, je sais pas quel style de vidéo exactement vous aimez, si vous aimez plus quand je fais des gameplays, des astuces, des vidéos d'information, juste regarder le monde jouer, des condensés, des vidéos où on va jouer sans montage, avec montage. Donc, si vous avez des suggestions, vous pouvez les laisser dans les commentaires, ça serait très apprécié. Et moi, je bâtis ma chaîne en fonction de vous, mes abonnés. Alors, si vous m'aidez à participer là-dedans, ce serait très agréable. Alors, on y va pour une dernière course. Les chargements sont toujours aussi longs. Alors, je crois que je vais faire une petite coupure au montage. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite de cette vidéo. Tout de suite en commençant la prochaine course. Hey, re-salut tout le monde. Alors, on est revenu. On commence bientôt la course. Alors, comme on peut voir, c'est une course de tout terrain. Qui m'a l'air, ma foi, assez spécial. Dit les véhicules. Mais je crois que je vais prendre une motocross. Vu que c'est la plupart du temps les plus performantes à côté des gros véhicules. J'ai encore parié 2500 sur moi. Moi, je parie tout le temps 2500$ sur moi. Même si je perds, ça me dérange pas. Comme on peut voir, j'ai assez d'argent pour miser. Argent tout gagné légalement. Bien sûr. Pendant la fin de semaine, on a du double XP et double argent de la fin de semaine passée. Alors, on va commencer cette course tout de suite. Alors, course en herbe 2, encore une fois, créée par Roxon. Oh! Je vois que je suis pas le seul à avoir opté pour les motos. Il y en a un qui va pouvoir assez nous bardasser avec sa petite véhicule tout terrain. Pour nous foncer dedans, c'est inutile. Donc, une autre petite astuce, si vous ne savez pas encore. Au début de la course, vous pouvez avoir un bonus de départ de vitesse en donnant de l'accélération à peine une seconde après le zéro. Alors, je sais pas si vous saviez. Mais bref, ça peut être quand même assez utile à savoir. Alors, ça vous donne un petit avantage sur ceux qui ne le savent pas. Et pour ceux qui le savent et qui ne réussissent pas, parce qu'on réussit pas à tous les coups. Moi, je suis rendu assez habitué, donc c'est assez rare que je ne réussisse pas. Mais certaines personnes viennent de le découvrir ou ne le savent tout simplement pas. Mais depuis la sortie du lendemain, sûrement plusieurs personnes l'ont découvert aussi. Alors aussi, pour gagner une course en moto, laissez son joystick de contrôle par en avant, vous aide à gagner de l'aérodynamisme. Ce qui vous donne un léger avantage qu'on peut voir en ce moment sur l'autre joueur qui, lui, ne le fait pas. Alors là, je viens de me faire passer solide. Parce que j'avais pas opté vraiment pour le bon chemin. L'aspiration, c'est pas mal le sauveur des courses. Ça vous permet de rattraper à peu près n'importe qui, n'importe quoi, avec n'importe quoi aussi. Donc, c'est une course assez... Oh non, je suis désolé, j'ai vraiment pas fait exprès. Là, je suis sûr que... Il dit genre... Oh, ce joueur est pas fait... Il m'a fait un coup de salope. Mais je suis désolé. J'ai vraiment pas fait exprès. Des fois, la connexion aussi, on n'est pas exactement au même endroit que ce que les autres joueurs pensent. Et on peut avoir des petites collisions non voulues comme ce qui vient de se passer. Quand je joue avec des gens, ça m'arrive souvent. Oh, lui, il vient d'essayer de me le faire. Est-ce que je peux le remarquer? Ça n'a pas fonctionné. C'est assez malin.
Alors l'aspiration, ça me donne un léger avantage. Oh non, lui il va réussir à m'aspirer avant la fin, je crois. Alors on va se dépêcher. Oh 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 oh. Et j'ai encore gagné la course. Première place pour Shredzel Borelli. Je suis très content, j'ai encore gagné mon pari. Avec 2 minutes 7 et 9 millièmes de seconde, 9 dixièmes, même chose, presque. Avec 6 000$ plus 1 000$ de récompense pour mon pari, je suis encore une fois le vainqueur, je suis très fier en effet. Hein? Moins 2 500$? Comment ça? Ah ben, ouais. Pourtant... Oh, peut-être que j'avais pas parié sur moi. Oh, dommage. Oh, alors, je viens de faire à peu près 4 000, 3 000, 3 300$, c'est... Décevant. Bref, je vais mettre la fin à la vidéo ici. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez un j'aime. Laissez un commentaire pour plus de contenu exclusif à vous. Et je vous dis ciao et on se revoit très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. I'm not going to do that.